Tu joues, Krish. Tu m'as fait une frousse bleue. Mais pourquoi est-ce que tu respires aussi fort? Oh là là, Geneviève, excuse-moi. Je ne sais plus où j'en suis. Je suis rentrée dans cette maison sombre et déserte. Et puis je t'ai vue là, au bord du promontoire. J'ai eu peur que tu fasses une bêtise. Écoute, Geneviève, ça ne peut plus continuer ainsi. Il faut qu'on parle. Ton silence me rend fou! Vas-y, engueule-moi, je le mérite! Mais pour l'amour de Dieu, parle! Comment as-tu pu me faire ça, Krish Thionnath? Une vie de mensonges! Comment es-tu arrivé à tuer un homme? Je te demande pardon, Geneviève. Des mots. Rien que des mots. Viens. Allons nous asseoir. J'ai des choses importantes à te dire. Il vaudrait mieux que tu ailles te changer. Les Soli vont bientôt arriver. Il vaut mieux en finir avec ce... Baracha. Tu ne les as pas oubliés, j'espère. C'est pour cela que je suis rentré si tôt. Mais prenons le temps de parler. Il faut de toute manière accorder nos violons pour ce mariage. Viens. Dis-moi, est-ce que c'est exprès que tu n'as pas allumé? Je trouve que c'est lugubre ici. Et puis, quel silence! Où sont les enfants? Cette pièce reflète bien mon état d'esprit. Lugubre. Jonathan n'a pas voulu se retrouver coincé entre ses futurs beaux-parents et nous. Il insiste pour une cérémonie simple. Gaël est encore perturbé et Jonathan l'a accompagné au tennis. Geneviève, ça fait du bien de t'entendre après un si long silence. Arrête, Krish, ça ne prend plus. Je suis si fatiguée. Tu as brisé ta famille. Avec Jacques, nous avons décidé de fermer le bureau de renseignement et de vendre l'entreprise. C'est le bon moment.
Alain et Jean Dupont ont disparu de la circulation. Tu y es pour quelque chose ? Oh, non, non, rassure-toi. Nous pensons que le colonel a résolu lui-même son problème. Nous voulons profiter de ce calme relatif pour commencer une nouvelle vie ailleurs. Mais où ? Je pensais à l'Australie, mais l'endroit n'a pas d'importance du moment que nous pouvons échapper à Jean Dupont. Mais il n'y a aucun endroit où tu pourras échapper à ta conscience. L'émigration ne résout rien. Le problème n'est pas là, c'est un problème de confiance. Ta famille n'a plus confiance en toi, Krish. Geneviève, donne-moi une dernière chance de me racheter, je t'en prie. Je sais, je ne le mérite pas, mais fais-le au moins au nom des instants de bonheur que nous avons partagés ensemble. Tu le sais bien, tout n'a pas toujours été noir. Et Jonathan qui se marie bientôt, tu y as pensé ? Devra-t-il émigrer lui aussi ? Peut-être qu'on devrait en parler au Soli tout à l'heure ? Le fils du colonel ne court pas le même danger. Il pourrait terminer ses études et nous rejoindre par la suite, s'il le souhaite. Je ne sais pas. Je ne sais plus. Mais va te changer, les Soli seront bientôt là. Ce mariage est la dernière chose positive qui me reste. J'ai décidé d'investir toute mon énergie pour faire de la cérémonie un succès. Alors, s'il te plaît. Je me suis mal comportée l'autre jour et je me sens un peu gênée. Mais tout comme toi, j'ai décidé moi aussi d'investir toute mon énergie pour faire de ce mariage un succès. Il faudra faire des compromis. Fais-moi confiance, Krish. Si tu sais encore ce que ce mot veut dire, je sais exactement ce qu'il y a à faire. Bon. Je dois t'avouer que c'est l'idée du futur petit enfant qui m'a fait beaucoup réfléchir. Tu vois, j'avais raison. Ce qui est positif, c'est que nous allons bientôt être grands-parents. Si je peux encore revendiquer la paternité de Jonathan. Ça, c'est quelque chose que personne ne pourra t'enlever. Tu es un bon père pour notre fils, Krish. Bon, tu me dis d'aller me changer, mais je crois que M. Soli viendra costumé et cravaté et qu'il vaut mieux que je le mette à l'aise en restant comme ça, tu ne crois pas? Tu as raison. D'ailleurs, demande au serviteur de faire simple, s'il te plaît. Quelle vue magnifique! C'est vraiment pied dans l'eau, comme on dit. Nous vivons vraiment sur deux planètes différentes. On ne dirait pas que nous sommes voisins. Monsieur et Madame Dionat, c'est un honneur pour nous d'être vos invités. Écoutez, nous allons devenir les grands-parents du même petit enfant. Alors, cessez avec Monsieur et Madame. Appelez-moi Geneviève. Et moi, Krish. Moi, je suis Nita. Et moi, Dave. Venez avec moi, Dave. Nous avons à discuter, vous et moi. Allons nous asseoir, Nita. Voulez-vous quelque chose à boire? Non, merci. Vous savez, Dave et moi, nous avons beaucoup discuté. Et Dave a beaucoup de choses à dire. Mais je ne m'attendais pas. Geneviève est parfois... déroutante. Moi non plus, je ne m'attendais pas à cet aparté. Geneviève peut être... difficile. Dave aussi.
Je suis un peu inquiète. Surprise. Tout est réglé. Geneviève et moi, nous nous sommes rapidement mis d'accord sur tout. Merci, Geneviève. Merci à vous, Dave. J'avais préparé un long discours, mais nous étions sur la même longueur d'onde sans le savoir. Vous leur dites? Nous aurons et le safran et le cocktail. Nous ferons le safran de British Inn et nous remplacerons le chowdhury pour un cocktail le jour de mariage lui-même. De plus, nous comptons sur Krish pour, comment dites-vous, guider le pandit vers une cérémonie dépouillée, célébrée conjointement avec un prêtre catholique. Pour une surprise, c'en est une. Surtout la rapidité de l'accord. Mais c'est parfait. Quant à la date, vous aviez raison, Krish. Cela n'a pas été difficile de, comment dites-vous, guider le pandit afin de trouver une date convenable dans 3 semaines. Le 25 juillet. C'est très bien. Cela nous permettra de lancer les invitations et de terminer les préparatifs. Vous ne pouvez pas savoir combien je suis heureuse et soulagée que nous ayons trouvé ces arrangements. Mais je pense qu'en faisant un mélange de toutes ces traditions, nous offrirons à nos enfants un beau mariage mauricien. Je n'ai plus rien à ajouter, Krish. Vous avez trouvé le mot juste. Offrons à nos enfants un mariage traditionnel mauricien. Eh bien, il ne reste plus qu'à arroser tout ça dans la tradition mauricienne. Bien sûr, je suis heureuse. Et tous ces cadeaux me font très plaisir. Mais tu comprends, Jonathan. Parfois, on a l'impression que tout cela est un rêve. Que tout va disparaître. Mais non, Brité. Ce bonheur-là te mérite les 100 fois. Il ne faut pas ton père. Ton ange gardien te protège. Merci, je. C'est bizarre, mais depuis tout à l'heure, j'ai l'impression d'être surveillé, pas toi? Non. Bah, je vais te chercher ton milkshake. Je crois que je vais me laisser tenter aussi. Philippe ? Ah. Salut, vieux. Comment ça va ? À merveille. Qu'est-ce que tu fais là ? Moi ? Rien. Rien de spécial. Pourquoi ? Allez, viens, que je te présente ma future femme. Je crois que je viens d'élucider un mystère. Lequel ? Voilà celui qui nous suivait. Philippe ? Ah. Bonjour. Jonathan, bonjour Philippe. Contente de faire enfin ta connaissance, depuis le temps que j'entends parler de toi. Alors, tu peux m'expliquer pourquoi tu avais les yeux rivés sur ma fiancée? Joe, écoute... Jonathan, c'est pas gentil de le mettre mal à l'aise comme ça. Quelqu'un que tu considères comme ton frère. Heureusement pour lui d'ailleurs, sinon j'aurais pu me faire des idées. C'est dingue. Plus la peine de nier, crapule, je t'ai démasqué. Dis-moi, en fait, qu'est-ce que tu faisais là? Ok. En fait, je cherchais un cadeau de mariage. Ah, le nôtre? Mais je ne t'en dirai pas plus, c'est une surprise. Comme je vous ai aperçu tout à l'heure, et puisque je ne voulais pas que vous voyiez le cadeau maintenant, je me suis assuré que vous étiez assez loin avant de le récupérer. Plutôt tordu ton histoire, hein? Ah, une surprise, c'est une surprise, vieux. Bon, je dois vous laisser maintenant. Félicitations pour le mariage. Et merci pour l'invitation. Merci, Philippe. Philippe, on aimerait bien te parler d'un truc pour notre mariage. Est-ce qu'on pourrait se voir demain? Oui, sans problème. Tu téléphones pour fixer l'heure. Ok, ciao.
Vous en pensez quoi? Oh, mais c'est une vraie merveille. Mais je trouve que ça fait un peu jeune. Justement, c'est pour Christelle. Je pense le lui offrir pour son anniversaire. Je crois que ça va lui plaire. Ah, mais sans aucun doute. C'est un cadeau vraiment somptueux. On voit que vous n'avez pas de fils, ma chère. Jonathan est très indépendant et il ne cesse de me le rappeler. D'ailleurs, je pense qu'il a déjà fait le choix de son habit de mariage. Mais pour de telles occasions, je préfère avoir ma petite idée derrière la tête parce que très souvent, c'est maman à l'aide. Et maman vole à son secours. Oh, mais c'est avec plaisir que je le fais, vous savez. Et aussi avec un peu de nostalgie. Parce qu'une fois qu'il sera marié, j'en aurai moins souvent l'occasion. Et ça va me manquer, vous savez. Eh oui. Vous venez, Pascal? Je regardais. Depuis cette douche froide, je n'arrête pas de me demander ce que sera notre avenir. Ouais. Après les révélations de nos deux époux, j'ai du mal à me l'imaginer. Cette situation m'obsède et... Mais comment avons-nous pu en arriver là? Vous savez, Pascal, je fais tout pour ne pas y penser. Je me consacre entièrement aux préparatifs du mariage de Jonathan. Et même si ça paraît futile de flâner comme ça sans rien acheter, c'est... C'est une bonne évasion. Voilà. Trompette ou pas, mais tu es une base, toi. Bon, alors. Oui, monsieur. Madame, bonjour. Qui nous a fait un bout? C'est pour un mariage. Est-ce qu'il y a une analyse? Nous vous prenons tout ce qui est bizarre pour un mariage complet. Mariage complet. Mais Dave, pas bizarre tout ça là. Pas connu. On prend les toujours. Qui te dit pas connu? T'oublier, nous peut faire un mariage mixte. Venez, Nita, mais vous préférez pas manquer mon nid. Oui, d'accord, mais pas nécessaire pour autant d'affaires qui va vous servir. Tu vas considérer un peu un gaspillage. Mais non, Donita, pas pense comme ça. Nous sommes les enfants pour marier et nous avons toujours envie de faire les choses en grand pour cette occasion-là. Et trois petites affaires en plus. Merci beaucoup, Zodbini. Quelle manière, Michel Tulsi? Il n'est pas trop mal. Il besoin beaucoup de repos. Sans même nous transférer dans le clinique. Est-ce qu'il nous capable de faire avec nous ça? Non. Moi, tu veux dire, est-ce qu'il nous capable de faire quelque chose pour aider? Oui, excuse-moi, madame Soli. Vous connaissez, il y a tellement de monde qui pensait que du monde la boutique, puis l'endroit, le clinique. Au fait, nous pouvons vendre la boutique. Ah bon? Ça vous fait drôle? Nous sommes tellement habitués. Justement, nous n'en vivons sans ma victime. Nous n'en vivons et commencer un nouveau la vie.
Position de papa. Bonhomme plutôt correct. Ni périphère doucement, doucement. Tu connais? Ne finis pas en faire ça. T'es ça d'y en là. Allô, bien de papa? Pourquoi connais? Puis bien attendre des d'astir. Oui, ça n'est pas si, même pas quoi bien dire.